Oui, monsieur. Oui, Très bien. monsieur. C'est OK. Donc, on commence. Qualité d'énergie électrique, QEE, et compatibilité électromagnétique. Donc, c'est un élément de module, bien sûr. Le module qualité est composé de deux éléments de module. Donc, le premier élément, vous allez le faire avec Monsieur Khaili, c'est l'efficacité énergétique. Et le deuxième élément de module avec moi, c'est la qualité d'énergie électrique et la compatibilité électromagnétique. Donc, on va essayer de commencer ce cours-là. Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour réaliser ou bien pour traiter les différentes aléas qui sont dus à ce problème de qualité d'énergie électrique et de CEM. Mais quand même, on va essayer de mettre le point sur quelques notions fondamentales dont vous aurez besoin. De toute façon, donc, c'est un grand cours qui n'a au volume horaire que 28 heures. Donc, on va essayer d'accélérer un peu, comme ça, on va essayer de profiter au maximum des différentes notions que vous allez voir dans ce cours. Voilà. Donc, commençons tout d'abord par cette définition de la qualité d'énergie électrique. Donc, cette définition-là, elle est issue de la norme IEEE standard 1159 qui a été publiée en 1995. Donc, dans le document Recommended Practice, IEEE Recommended Practices for Monitoring Electric Power Quality. Donc, ce document-là, il définit la qualité d'énergie électrique ou bien Power Quality par Power quality broadly encompasses the study of deviations in current and voltage waveforms from ideal sine waves. Bimana. C'est-à-dire, cette question de l'étude de la qualité d'énergie électrique, c'est une étude sur la forme des ondes, c'est-à-dire de combien on a dévié de la forme standard de l'onde sinusoïdale, c'est-à-dire soit en courant, soit en tension. C'est-à-dire, on dit que le signal ou bien la tension de réseau, c'est une tension sinusoïdale, V égale à V max sinus oméga t. Donc, combien on a dévié de cette sinusoïde-là, que ce soit en amplitude, que ce soit en fréquence, que ce soit en phase, que ce soit en forme. Donc, c'est-à-dire une étude sur, si vous voulez, la morphologie du signal. Deuxième concept, the concept of powering and grounding sensitive equipment in manner that is suitable to the operation of that equipment. C'est-à-dire les concepts qui sont liés à l'alimentation et la mise à la terre des différents équipements ou bien des équipements sensibles, de manière que cette mise à la terre et cette alimentation-là rendent ce matériel-là fonctionne correctement. C'est-à-dire là, vous avez une deuxième notion qui ne traite pas la forme des ondes, mais qui traite le fonctionnement des appareillages, c'est-à-dire l'efficacité de cette énergie-là sur l'appareil. C'est-à-dire, est-ce que vraiment cette énergie-là, elle donne ce qu'on veut de cet appareil-là ou non? C'est-à-dire, on va voir le bon fonctionnement de cet appareillage-là. Trois, donc, The concept of powering and grounding sensitive equipment in a manner that is suitable to the operation, il y en a là. Within the industry, alternate definitions or interpretations of power quality have been used, reflecting different points of view. Therefore, this definition might not be exclusive pending development of broader consensus. C'est-à-dire, normalement, pour les industriels, la qualité d'énergie électrique, c'est pas ça. La qualité d'énergie électrique, il est lié plutôt au rendement, qui est lié plutôt au fonctionnement, qui est lié plutôt à la rentabilité de l'énergie. Pour eux, peu importe cette question d'échauffement, de forme d'onde, et ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est la rentabilité, c'est-à-dire l'effet de cette énergie-là sur les différents appareils. Mais en fait, c'est un point de vue, car en fouillant à l'intérieur de ces différentes anomalies qui existent sur le réseau, on a vu, ou bien on voit, que ces différentes anomalies-là, elles sont dues principalement à cette déformation du signal. Donc, par la suite, la définition normative, c'est une définition de base auxquelles elles doivent se référer tout le monde. Une définition normative, normalement, elle est là pour fixer les règles,
les règles de l'art. Pour avoir un réseau qui est un patrimoine partagé entre les différents industriels, entre les différents opérateurs, pour avoir ce patrimoine-là clean et opérationnel pour tout le monde. En fait, c'est ça, en fait, le principe de base de la définition de la qualité d'énergie électrique de point de vue normatif. Donc, de point de vue normatif, on a vu que cette question de qualité, elle est liée à deux choses principales. Donc, la première chose, c'est la morphologie du signal. La deuxième chose, c'est la protection de l'appareil, c'est-à-dire la question de connecter l'appareil sensible. Si vous avez un appareil sensible, comment le mettre dans une carcasse, le relier à la terre, et ainsi de suite, pour le rendre moins sensible aux différentes perturbations qui sont tolérables déjà sur le réseau. C'est-à-dire, quand même, on essaye de minimiser les perturbations, mais on ne peut pas les annuler. Ça existe toujours. Si vous avez un matériel qui est vraiment très sensible, comment le rendre moins sensible et comment le rendre opérationnel, même dans un environnement où il y a des petites perturbations. Donc, deux choses. C'est-à-dire, comment protéger l'appareillage, hein, de comment agir sur la morphologie du signal pour le rendre respectant la norme en vigueur. Là, c'est quelques définitions. Je crois que vous les connaissez déjà. Donc, déjà, je définis là la valeur efficace. Pourquoi je rappelle ces définitions-là? Donc, je vais aussi rappeler d'autres définitions. Là, c'est la valeur efficace d'un car on aura besoin dans la suite de ce travail-là. Donc, valeur efficace, en fait, c'est quoi? Par définition, c'est la racine carrée. Donc, en fait, c'est la moyenne des carrés, tout simplement. Donc, déjà, les anglophones, ils l'appellent RMS. RMS, c'est pour root mean square, c'est-à-dire la racine des moyennes des carrés. Voilà. Donc, en fait, I, dans ce cas-là, efficace, égale quoi? C'est la racine carrée de 1 sur t, donc c'est la valeur moyenne intégrale de 0 à t, c'est la valeur moyenne de quoi? De I de t au carré. Tt. Une autre définition de cette valeur efficace-là, c'est quoi? C'est la racine carrée de IF au carré plus la somme de H égale à 2 jusqu'à l'infini de IH au carré. En fait, IH, c'est quoi? C'est la composante harmonique. Donc, on sait déjà que pour un signal, donc là, j'ai besoin, je crois, de rappeler cette question de décomposition en sirop de Fourier. Je sais que vous le connaissez déjà. Voilà. Design par setup sessionnaire. Ok, donc je supprime tout ça. Très bien. Donc, pour un signal périodique quelconque, pour un signal, pardon. Pour un signal périodique quelconque, donc si ce signal-là il se répète selon une période T, dans ce cas-là, je peux écrire ce signal-là, donc S de T égale à S0. Ça, c'est la décomposition dite en série de Fourier fois plus la somme de N égale à 1 jusqu'à l'infini de AN sinus n oméga t plus bn cosinus n oméga t. Voilà, c'est ça. Avec an, en fait, c'est quoi? An, ça c'est s de t. C'est tout simplement 2 sur t, l'intégrale de 0 à t de s de t fois cosinus n oméga t dt. Et bn, c'est 2 sur t, l'intégrale de 0 à t, de s de t, sinus n oméga t, dt. Et s0, bien sûr, c'est la valeur moyenne. S0, c'est 1 sur t, l'intégrale de 0 à t, de s de t, de t. Bien sûr, si votre signal n'a pas de valeur moyenne, le s0 égale à 0. Donc, si votre signal-là, il est, disons, impair,
Si votre signal il est impair, dans ce cas-là, les cosinus sont nuls, c'est-à-dire les AN égale à 0 et les BN ils sont différents de 0. Si votre signal là il est pair, les AN sont différents de 0 et les BN sont égaux à 0. Là, c'est, si vous voulez, c'est un petit rappel de ces différentes. De ces différentes décompositions en sirop de Fourier. Bien sûr, vous avez déjà vu l'expression que je vous ai donnée là. Donc, on a parlé d'un courant I de T. On a dit que c'est I0 plus la somme de. Dans ce cas-là, on a besoin de mettre là le IH. On a dit que c'est le IH. En fait, c'est juste une transformation de ça pour un signal en cosinus déphasé. C'est-à-dire. Ça va donner là pour le n égale à 1 jusqu'à l'infini, cosinus n oméga t plus in. Avec in, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est tout simplement la racine carrée de an au carré plus bn au carré. Donc, en fait, là, c'est i0, là, c'est in chapeau. OK? Donc, in, c'est tout simplement. La racine carrée, le IN chapeau, disons, la racine carrée de AN au carré plus BN au carré, donc le maximum de ce IN-là. Bien sûr, le phi N, c'est tout simplement arc tangente de BN sur AN. Je crois que vous connaissez déjà cette transformation-là. Donc, c'est, on appelle l'amplitude du énième harmonique. L'amplitude de l'harmonique numéro 1. C'est-à-dire notre signal S de T, en fait, qu'on a présenté là. Le signal que vous avez présenté en moyenne. Vous avez le fondamental. C'est pour N égale à 1. Vous avez un signal de fréquence double, c'est-à-dire comme ça. C'est N égale à 2. Vous avez un signal de fréquence triple, et ainsi de suite. Donc là, vous avez besoin d'un certain nombre, une somme de tous ces signaux-là, de ça, du ça, du ça, et ainsi de suite. Donc, en fait, on arrive à démontrer que notre signal-là, c'est une somme de plusieurs sinusoïdes, hein, de plusieurs sinusoïdes, dont l'amplitude est ça. Okay? Donc, IN chapeau égale à racine carrée de AN au carré plus BN au carré. Avec le AN, il est calculé par cette expression-là et le BN, il est calculé par cette expression-là. Bien sûr, parfois, on trouve que le AN égale à 0 ou bien le BN égale à 0 si le signal il est pair ou bien impair. Bien sûr, dans ce cas-là, le IN, il se simplifie soit en AN ou bien en BN. Donc là, lorsqu'on parle de la valeur efficace de ce signal-là, donc dans ce cas-là, la valeur efficace de ce signal-là, je l'appelle grand S, on a dit que c'est tout simplement c'est la racine carrée du fondamental, c'est-à-dire le S1 au carré, plus la somme de n égale à 2 jusqu'à l'infini de Sn au carré. C'est ce qu'on a dit dans le cours. Donc, IF, c'est le fondamental, c'est l'harmonique numéro 1. Harmonique 1. Fondamental. C'est l'harmonique 1. Et bien sûr, les IH au carré, ce sont les harmoniques allant de 2 jusqu'à l'infini. Bon, ça, c'est la première définition. La deuxième définition, ce qu'on appelle le facteur de crête. Donc, c'est un facteur qui est vraiment très intéressant avec lequel on va caractériser différents appareillages qu'on va utiliser ou bien différents matériels. Donc, on dit que c'est une alimentation qui a un facteur de crête de 5 ou bien un facteur de crête de 2. Donc, le facteur de crête là, il permet de valoriser la quantité d'harmoniques dans votre signal. En fait, c'est quoi? C'est tout simplement I chapeau sur I efficace. C'est-à-dire le I max sur le I efficace s'appelle le facteur de crête. Donc, bien sûr, il est clair que vous connaissez déjà pour un signal sinusoïdal, vous avez V de T par exemple, ou bien si je parle de courant. I de t, c'est I racine de 2 fois sinus oméga t plus un déphasage phi.
Ça, c'est la valeur maxima, ça, c'est Y. Dans ce cas-là, ça, c'est le régime harmonique, ça, c'est le régime sinusoïdal. En fait, si votre charge, là, elle consomme exactement un courant de cette forme-là, vous avez un facteur de crête. Dans ce cas-là, c'est Y sur IFK, ça sera tout simplement racine de 2. Ça, c'est le cas de charge linéaire. Okay? Si vous avez un matériel qui est non linéaire, vous avez un facteur de crête qui est nettement supérieur. Ce n'est pas du tout racine de 2, mais c'est une valeur qui est plus grande. Donc, par exemple, si on prend le matériel informatique, vous avez une alimentation flyback là. Et là, un facteur de crête de 2 à 3. Pour des variateurs de vitesse, donc utilisés avec les machines à courant continu, la machine à courant alternatif, vous avez un facteur de crête d'environ 2. Donc, on va voir par la suite les différents aspects normatifs sur ce facteur de crête-là. Il ne doit pas dépasser un certain limite. Donc, bien sûr, théoriquement, on peut trouver, par exemple, pour un variateur de vitesse, un facteur de crête qui peut aller jusqu'à 5. Mais généralement, en utilisant des filtrages et des bobines anti-harmoniques, on va le faire descendre vers le 2, qui est une valeur qui respecte généralement la norme qualité. On définit aussi ce qu'on appelle le taux d'N harmonique, c'est-à-dire l'harmonique numéro N, qui est son taux vis-à-vis le fondamental. Donc le rapport entre cette harmonique-là et le fondamental s'appelle le taux d'un seul harmonique. Okay? On appelle aussi le taux de distorsion harmonique. Lorsque vous parlez de taux de distorsion harmonique, c'est le taux de distorsion harmonique général. Donc ça, on l'appelle THDG ou bien THD tout court. Si vous entendez THD, c'est THDG en fait. THD ou bien THDG, c'est tout simplement la racine carrée de A2 carré, valeur efficace du signal. C'est-à-dire, je peux dire que c'est la racine carrée. Je peux dire là, c'est la somme de n égale à 2 jusqu'à l'infini de a n au carré sur le a. En fait, on l'a déjà dit là, c'est tout simplement le i fondamental ou bien le a1 au carré plus la somme de n égale à 2 jusqu'à l'infini à n au carré. Donc, je crois qu'il y a une question là. Très bien. Je continue. Voilà. Donc, je peux bien sûr parler autrement, c'est-à-dire je peux inverser cette équation-là, c'est-à-dire au lieu de parler de n égale à 2 jusqu'à l'infini, je parle de l'inverse, c'est-à-dire en fait, ça, c'est quoi? C'est tout simplement A moins A moins la somme de n égale à 1, en fait, oui, moins, pardon. Si je prends l'expression de A carrément, la valeur efficace, le A, c'est tout simplement la somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini de A n au carré. Donc ça, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement A moins A1 au carré, la valeur fondamentale. Et pour le A que vous avez là, je vais le laisser, c'est-à-dire ça va donner, je peux le réécrire égale quoi? C'est la racine carrée, A sur A, c'est-à-dire 1 moins. Ça ne se voit pas là. Je vais l'écrire là. Égale la racine carrée. A sur A, c'est 1 moins A1 au carré sur A. Si vous voulez, c'est une autre expression du taux de distorsion harmonique général, THD. C'est-à-dire, il suffit de calculer la valeur efficace du fondamental. La valeur efficace du fondamental et calculer la valeur efficace du signal en totalité. De faire le rapport entre les deux, 1 moins, et faire la racine carrée, vous aurez le taux de distorsion harmonique. Donc, soit vous calculez tout ça, parfois c'est très difficile de calculer ça, on peut se contenter de cette expression-là. Parfois, on trouve le taux de distorsion harmonique vis-à-vis le fondamental. Ça, ce rapport-là, il est donné par certains appareillages, il faut faire attention.
Donc, pour le taux de distorsion harmonique affiché par certains appareillages de mesure. Il y en a ceux qui mesurent les deux, c'est-à-dire le taux de distorsion harmonique général et le taux de distorsion harmonique vis-à-vis le fondamental. Il y en a ceux qui mesurent seulement le taux de distorsion harmonique. Ça. Pour ceux qui mesurent les deux, il faut faire attention. Donc, ce taux de distorsion harmonique général, c'est tout à fait différent du taux de distorsion harmonique vis-à-vis le fondamental. C'est-à-dire là, on divise par A1 et non pas par A, c'est-à-dire la valeur efficace du fondamental et non pas la valeur efficace du signal en totalité. Voilà. Ou sinon, la Donc, différence, bien sûr, d'un. on va Oui. s'arrêter sur un petit Ou exemple, si vous sinon, la voulez. différence, bien sûr, Oui? Oui, répétez la question, s'il vous plaît. sur la différence entre THDG ou THDF, l'utilisation, les crédits qui sont le اللي كريت اللي كتبغي تعرف هذاك الفوندام هذاك الهارمونيك الهارمونيك اي الهارمونيك اي شحال كيساوي البورسونتاج ديالو واش من لا فالور افيكاس جلوبال ولا غير من لا فالور افيكاس دي فوندامونتال. الا كنت كتريتي الا كان المهم عندك انت هو الفوندامونتال فقط فهاد الحاله اللي بريفيرابل دو ترافاي افيك لو تي اش دي فيزافي لو فوندامونتال. علاش؟ لانك كتكلم على لا فالور افيكاس فيزافي سو فوندامونتال لا. وإذا كانت لا فالور افيكاس جلوبال هي اللي مهمه عندك انت في هذه الحاله اللي بريفيرابل دو ترافاي افيك لو تي اتش دي توكو او بيان لو تي اتش دي جينيرال سي كلير سو كو جو راكونت لا مسيو بمعنى اذا كانوا لي زارمونيك نو فوز انتريس بلو دون سو كالا il faut travailler avec le THD vis-à-vis le fondamental et non pas vis-à-vis le l'harmonique et non pas la valeur efficace globale du signal. De toute façon, donc le plus utilisé c'est le THDG. Parce qu'on a mécaniquement la pollution harmonique. Le THDF, c'est le THDG. C'est le THD, le taux de distorsion harmonique général. Et non pas le taux de distorsion harmonique vis-à-vis un fondamental. Nous allons un petit exemple. Il a dit le signal là. Je rappelle là cette question de. Il a dit le signal là, par exemple. On a dit comme ça, on a dit asymétrique carrément. هذا هو ان سيني. عندي مثلا هنايا تي هنا تي سور دو مثلا هنا جو سي با موا هنا جو عندي هنا دلتا وهنا دلتا مزيان بمعنى هاد لو سينيال هادي الا بغيت نحسب دابا مانتنو لا ديكومبوزيسيون سيري فوريي ديالي غادي نلقى ديجا عندي لا فالو موين سي جو بارل لا اس دو تي. Donc la valeur moyenne de S de T, là, je donne là le grand S. La valeur moyenne de S de T, S0, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est tout simplement, donc, c'est un signal carré. Donc, il y a S, il y a 1 sur T, fois S, fois T sur 2, moins delta. OK? Moins delta moins la fois. Ça va donner quoi? C'est tout simplement S fois 1 sur 2 moins 2 delta sur T. Regardez la valeur moyenne si vous voulez. Si je veux calculer dans ce cas-là la valeur efficace de ce signal-là, la valeur efficace de ce signal-là, je vais l'appeler S efficace. En fait, c'est quoi? Vous n'avez 1 sur t, donc la racine carrée, l'intégrale, même delta, c'est delta ou bien t sur 2 moins delta, dlh, del s au carré, dt. Une constante, il y a 1 sur t, la racine carrée. Il y a 1 sur t, fois s au carré, on rajoute le bras, on a s, fois par exemple dt, il y a toujours t sur 2 moins 2 delta. Je vais atteindre une liste là. Il y a s, fois la racine carrée, dlh de 1 sur 2 moins 2 delta sur t. Voilà, c'est la valeur efficace.
Si je veux calculer maintenant les différentes harmoniques. Donc déjà, Heda, est-ce qu'il s'agit d'un signal pair? Non. Impair? Non. Donc je vais calculer les AN et les BN. Les AN. AN, on a AN. AN, on a IA. 2 sur T. L'intégrale de 0, E, moins delta. Yeah. DLH, DLS, SNL, fois cosinus N oméga T D DT. Les HL. Donc, on a directement intégré. Il y a 2S sur N oméga T fois sinus N oméga T entre delta et T sur 2 moins delta. Cache nous que c'est aussi. Il y a 2S sur oméga T, on a eu 2π, donc il y a 2π N. 2 moins 2, ça sort. Donc, il y a sinus N oméga T sur 2. Il y a sinus NP moins N oméga delta moins sinus N oméga delta. Donc la حسب هنا واش N pair ou la M pair. إذا كانت N pair كتكون هنا 2π كتكون هي موان سينوس كتكون هنا سينوس ديال موان N أوميغا دلتا هي موان سينوس N أوميغا دلتا كتعطيني هي موان 2. دونك سي N pair كتولي عندي AN هي موان 2 زس سور بي إن وسينوس ان اوميغا دلتا. وإذا كان ان امبير كتولي عندي ان هي موان 2 زس نو اتوندي تولي عندي هنايا ان امبير دونك بمعنى هنايا بي موان كيلكو شوز هي سينوس دو سو كيلكو شوز لا سا دون زيرو. C'est-à-dire, dans ce cas-là, le AN, donc le AN ou WEHEDA, avec le N et les paires. Pour les N impairs, tous les AN sont nuls. WAHADI MISBEL AN, MISBEL BN. BN, c'est quoi? C'est la même chose. Si je prends le BN là, c'est quoi? C'est tout simplement, il y a 2S sur T, toujours. On va intégrer directement N oméga T. تعطيني تما هنا سينوس ان اوميغا تي تعطيني هي موان كوسينوس ان اوميغا تي اونتر دلتا و تي سور 2 موان دلتا تعطيني تما تعطيني نفس الشيء هي 2 اس سور دونك هنا 2 افيك 2 سوت سور بي ان زيد فوا كوسينوس N delta, N oméga delta, moins cosinus N oméga T sur 2, il y a cosinus N pi, moins N oméga delta. Achant que l'on a dit, cosinus N pi, il est N pair, N pair, qu'est-ce qu'on y a, cosinus moins X, il y a cosinus X, donc c'est 0. Il est quand n pair 0. Il est quand n impair 4 il y a pi moins quelque chose, c moins cos, c'est-à-dire ça va donner 2s. Donc, il y a le A et le Bn, même chose. Donc, je vais effacer là. Le Bn égal. On aurait compris le halal, il y a S, il y a 2s sur Pn. Cosinus n oméga delta si n est impair, bien sûr.
C'est-à-dire si N, donc, pardon, si N est pair, donc ça va donner, donc si N pair, pardon, là, ce n'est pas un pair. Si N est pair. Mais maintenant, tous les N impairs sont nuls dans ce cas-là, sauf les N pairs qui existaient. Donc, pour les N pairs que vous avez là, donc vous avez le 2S sur Pn cosinus N oméga delta et le 2S sur Pn. N sinus N oméga delta. Si je veux calculer le Sn maintenant, le Sn dans ce cas-là, ça va être quoi? Le Sn tout simplement égale la racine carrée de An au carré plus Bn au carré. An au carré dans ce cas-là, ça va être le 2S au carré sur Pn au carré. C'est-à-dire que je vais le faire sortir de la racine carrée. Sn, c'est 2s sur πn fois la racine carrée de cosinus n oméga delta au carré plus sinus n oméga delta au carré si n. Voilà, à devoir le Sn. Le S0, ouais. Et le S efficace, ouais. Vous pouvez remarquer là que si je veux maintenant le taux de l'harmonique 2, taux de l'harmonique 3, donc quelles sont les harmoniques qui existent là déjà? On a dit que ça n'existe là que les harmoniques. Oui. Il s'agit juste dès que la valeur dès que Oui. la valeur de PN واش كتساوي ديك la valeur il a quand n pair ou la n impair je pense qu'il il a quand n il a quand n impair mais tu perds là. احنا نشوف خسر والو هادشي ديك ليكواسيون باش ما نتصلعوش ندير ليكواسيون ديك هاد ليكواسيون حدايا ياك ونعاودو نديرو كالكول بشويه يعني حنا ما نزيدوش دونك لو بي ان ديالنا هو هذا سي سا دونك كوبيي غندير هاني حدايا كونترول في ها هي اي جو لونس دابا بي ان قلنا هو هذا بي ان هو اس سور بي ان كوسينوس ان اوميغا دلتا بي ان وإن هو S sur Pn fois cosinus n omega delta moins cosinus n pi moins n omega delta. Voir. Si n est pair, n pair. Qu'est-ce que ça veut dire n pair? Bien maintenant, had n pi, je ne fais n pi, parce qu'on peut dire soit 0, soit 2 pi, soit 4 pi, soit 6 pi, ainsi de suite. C'est-à-dire une période complète. C'est-à-dire le cosinus, dans ce cas-là, cosinus npi moins n oméga delta, h nous kesewi. Kesewi, ou cosinus moins n oméga delta. C'est la période complète. Donc cosinus moins n oméga delta, je n'ai pas. Cosinus moins x, c'est cosinus x. Cosinus moins x égale à pn, à kesewi, il y a s sur pn. Fois cosinus n oméga delta moins cosinus n oméga delta. Il est un grand zéro. Maintenant, si n est impair, n impair, les maintenant n pi, h nous qu'est-ce que ça veut faire? Oui, pi, ou la 3pi, ou la 5pi, et ainsi de suite. Donc, dans tous les cas, il y a pi plus 2kpi. هذه ما فيهاش مشكل دونك سي دوبل بيريود بمعنى بحال اللي كنزيد بي على شي حاجه دونك كوسينوس ان بي موان ان اوميغا دلتا كتساوي في هذه الحاله هي كوسينوس بي موان ان اوميغا دلتا كوسينوس بي موان ان اوميغا دلتا شنو هي هي موان كوسينوس ايغال موان كوسينوس ان اوميغا دلتا بمعنى في هذه الحاله شنو تعطينا تعطيني بي ان هي 2s سور بي ان زد فوا كوسينوس ان اوميغا دلتا سي كلير دونك شنو قلنا حنا قبيله بي ان C'est vrai, vous avez raison. Donc, il est là, il est vrai là pour les n
Impair, c'est ça, chez Wesgood. OMC, oui. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire, pour les n impairs, on a le bn égal à ça. Voilà. Donc, c'est-à-dire le Sn égale tout simplement, comme on a dit là, c'est la racine carrée de An au carré plus Bn au carré. Ça va donner quoi? Donc, tout simplement, c'est 2S sur pi. Donc, on peut remarquer là, si je veux, par exemple, dans ce cas-là, donc, il me connaît bien Sn. Après, ce n'est pas vrai ça. Il y a Sn, fait le chenille. On a le cas de les n paires. Donc, quand tu as les n paires, donc la démocratie, je l'ai dit comme ça. Je vais le reprendre là. Donc, le Sn, en fait, c'est quoi? Égal. C'est oui, il y a S sur Pn, et c'est ça? 2S sur Pn, cosinus n oméga delta pour les n paires, pour les n impaires. Pour les impaires. Ou que c'est 2s sur pi n fois sinus n oméga delta pour les paires. Bien. D'abord, il abrite le taux, il abrite le fondamental. Le fondamental, en fait, c'est un impair. C'est ça? Donc, le fondamental, c'est-à-dire le Sn. H nous qu'est-ce que c'est 2s sur Sn. Il abrite le taux de l'harmonique, le taux de l'harmonique 2, par exemple, dans ce cas-là. Le taux de l'harmonique 2 de ces paires, ça va donner ces 2s sur pi fois 2 fois sinus 2 oméga delta sur le Sn, les 2s, sur oméga. Pardon, cosinus oméga delta. Voilà. Donc le 2s avec 2s, ça saute. Le pi avec pi, ça saute. Ça reste quoi? Donc tant 2, c'est tout simplement il y a sinus 2 oméga delta sur 2 cosinus de oméga delta. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est le taux de l'harmonique 2? Donc, c'est intéressant cette question de taux d'harmonique, car en fait, généralement, pratiquement pour les signaux qu'on utilise là en électronique de puissance, ce sont généralement des signaux symétriques. Par la suite, généralement, vous allez trouver que les harmoniques paires sont nulles, et qu'il n'y a pas que les harmoniques impaires. On va trouver les signaux, généralement, soit les A1, soit les B1 qui sont différents de 0. Les autres sont nuls. Après, des signaux en de certains. Règle de symétrie, ainsi de suite, pour trouver, pour annuler l'un des deux. Ou alors, on a un certain nombre, les harmoniques impaires, on a un certain nombre d'harmoniques qui sont vraiment très très perturbateurs que d'autres. Par exemple, il a dit c'est le fondamental ou 50 Hz, donc je n'ai l'harmonique le plus proche, donc 2 on a nul, et après l'harmonique 3. Donc, l'harmonique 3 est vraiment très nuisible, 50 Hz. Donc, pourquoi il est très nuisible? Car 150 Hz, il est vraiment très proche de 50 Hz. Et le filtrage, dans ce cas-là, il est vraiment très difficile. Okay? Donc, c'est pourquoi, généralement, dans ce cas-là, on a besoin de calculer cette question de taux d'un harmonique. On dit que le taux de l'harmonique 3 égale à 18%. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, pour l'harmonique 3, vous avez un taux d'harmonique égal à 18%. Voilà, donc tout à l'heure, on va s'arrêter sur un exemple concret, juste pour démarrer cette discussion-là. Donc, Ada, un exemple que vous connaissez déjà. Donc, c'est un redresseur, je suis le redresseur Ada. Ada, c'est le redresseur PD3, c'est ça? PD3, débitant sur une charge machine à courant continu avec inductance de lissage. Donc, on peut supposer que cette charge-là, elle consomme un courant presque constant I0. Okay? Donc, dans ce cas-là, si je vise à tracer le courant qui circule là, un sommet I1. En fait, ça sera quoi ce courant-là? Donc, donc, le triphase ici, pas bien tracé. Donc,
Voilà, voilà. Donc, ça, c'est le signal V1. Voilà. Donc, V1, V2 et V3. Donc, V1 en rouge, et V1, si vous voulez. Le V2 en vert. Et le V3 en bleu. Donc, si je veux tracer le courant I1, le courant I1, il est dû toujours à V1. La portion d'alternance la plus positive, parce qu'on dit qui est passante, en tout cas là, je peux voir là, il y a une fin de la plage ID. Il y a D1 qui est passante, D1 on. On fera de la plage ID et la plus négative. Parce qu'on déprime 1 qui est on. OK, donc dans ce cas-là, je trouve ce signal-là. Chaque essai ou I0. OK, chaque nom de les angles d'eau. L'angle head, c'est quoi? C'est pi sur 6. C'est pi sur 6. C'est pi. C'est pi moins pi sur 6. C'est pi plus pi sur 6, bien sûr. On est de pi moins pi sur 6. Très bien. Donc, on a ni moins I0. Vous voyez là, on consomme sur la broche V1, V1, je consomme un signal sinusoïdal. Là, on dit une tension qui est sinusoïdale. Alors que le courant, qui n'est plus sinusoïdal, mais qui est carré dans ce cas-là. Carré, bien sûr, avec des zones mortes. Okay? Donc, si je veux calculer la valeur moyenne de ce signal-là, elle est simple. La valeur moyenne de ce signal-là, donc le I1, en valeur moyenne égale à 0 tout simplement. Pourquoi? Pas la peine de faire les calculs dans ce cas-là. Alors, je n'ai pas l'air là. Il est négatif. Donc, en fait, par la suite, I1 égale à 0. Il y a tout simplement, il y a 1 sur T l'intégrale de 0 à T, IL, I1 de T, de T. Maintenant, si je veux calculer la valeur efficace de ce signal-là, la valeur efficace de ce signal-là, un signal grand I1. En fait, c'est quoi? C'est tout simplement la racine carrée, IL, la moyenne des carrés, c'est-à-dire 1 sur T, l'intégrale. بلا ما ندير الانتغرال عليهم بجوج لان كندير او كاري بمعنى تكون الانتغرال ديال هذه بحال بحال الانتغرال ديال هذه دونك ندير الانتغرال على وحده الانتغرال منين من بي سور 6 تال بي موان بي سور 6 بما اني خدمت على لي زونغل ندوز هنا لي زونغل ديريكتومون ندير لو شونجمون دو فاريابل كيعطيني هنا دو بي وغيعطيني هنا اي 0 او كاري ويعطيني هنا دي تيتا او ليو دو دي تي بمعنى شنو غادي يعطيني النيس هنا غيعطيني هي اي 0 لا غاسين كاري ديال اش ديال بي موان بي سور 6 موان بي سور 6 هي بي موان 2 بي سور 6 هي بي موان بي سور 3 هي 2 بي سور 3 دونك نو فوا 2 لان قلنا ندير الانتغرال على وحده يعني جو دو ملتيبلي بار 2 بمعنى هنا شنو غيعطيني هنا النيت هي 1 سور بي و 2 بي سور 3 جو سامبليفي بار بي اي بالي هي اي 1 هو راسي اي 0 راسين كاري ديال 2 سور 3 دونك هذا سي لا فالور افيكاس دو نوتر سينيال وكاين الفوندامونتال شحال فيه دونك هذا سي لو اي 1 سي فولي سي لا فالور افيكاس دو كورون اي 1 وكاين لا فالور افيكاس دو فوندامونتال égale à combien? Dans ce cas-là, je dois faire la décomposition aussi de folie. Décomposition aussi de folie de ce signal-là. Il est clair que là, vous n'avez que des sinus, car le signal-là, il est impair. Donc, le cosinus, les cosinus sont nuls, c'est-à-dire les AN égale à 0. Et vous pouvez lire les BN.
les BN dans ce cas-là égale quoi? Il y a 1 sur pi, je travaille directement avec les angles, fois 2, de l'intégrale vers l'ancienne période, fois 2, fois l'intégrale, une pi sur 6, celle pi moins pi sur 6, dlh, dl i0, sinus n θ d θ. Donc, je n'ai pas tenu mes scénarios. Et c'est où il y a 2i0 sur pi, Z, sinus, l'intégrale du sinus, c'est moins cosinus nθ, entre pi sur 6 et pi moins pi sur 6. Il y a juste i0 sur pi, fois cosinus nπ sur 6, moins cosinus nπ moins nπ sur 6. Il est clair que là, c'est nul pour les n paires. Quel problème est les n impairs? Pour les n impairs, quel problème est an? Normalement, il y a 4 i0 sur pi n, pardon là, pi n fois cosinus n pi sur 6. Voilà. Donc, si je veux maintenant l'amplitude du fondamental. L'amplitude du fondamental, donc tout simplement, je vais prendre n égale à 1. C'est ça l'amplitude du fondamental. Donc, bien sûr, le Bn égale à 0. Donc, dans ce cas-là, le In chapeau, dans ce cas-là, égale le An, tout simplement. Je peux l'écrire là. Égale le An. Donc, égale 4i0 sur pi n cosinus n pi n pi sur 6. Donc, si je veux le taux de l'harmonique 1, on a le fondamental. Dans ce cas-là, le fondamental égale combien? Donc, le i1 chapeau, on a 4i0 sur pi fois cosinus pi sur 6. Cosinus pi sur 6, on a racine 3 sur 2. 4i0 sur pi, il y a cosinus pi sur 6, racine 3 sur 2. Donc pi sur 3 sur 6, oui, c'est racine 3 sur 2. Fois racine 3 sur 2. Il y a 2i0 sur pi fois racine 3. Donc, dans ce cas-là, je peux, dans ce cas-là, calculer, bien sûr, I1 efficace. C'est tout simplement I1 efficace. Et I1 max sur racine de 2. C'est-à-dire, si I0 sur pi pour racine carrée de 6. Il est important de le taux de distorsion harmonique en courant. On a la somme d'IL I2 au carré d'IL IH au carré, moins 2, c'est l'infini, sur la somme moins 1, c'est l'infini, d'IL IH au carré. La racine carrée. Chaque essai où il y a da, THD, PADHL égale combien? Donc, il y a la somme, il y a la valeur efficace. Il y a la racine carrée, il y a la valeur efficace au carré moins, moins I1 au carré, moins I1 fondamental au carré. Vous voyez l'exceptionnel, I1 fondamental. I1 fondamental au carré sur I1 au carré. Il y a la racine carrée, L1 moins I1 fondamental au carré sur I1 au carré. Donc, il y a la racine carrée
ديال 1 موان I0 سور بي فوا راسين كاري دو 6 سور I1 او كاري اللي هي I0 فوا راسين كاري دو 2 سور 3. دونك هنا A كالكولي باسكو هنا واحد لا فالور وغتخرج لا فالور 1%. اوكي دونك جو كخوا كون ديجا كالكولي كو جي ديجا فيها J'ai déjà fait ce calcul-là. Donc, le taux de distorsion harmonique, voilà, c'est, vous pouvez vous en assurer bien sûr chez vous. Donc, le THD, c'est tout simplement racine carrée de 1 moins 9 sur pi au carré. Okay? Donc, en fait, ce n'est pas 100% dans ce cas-là, mais c'est nettement inférieur. Bon. En faisant les différents calculs sur ce montant-là, je trouve quoi? Donc, voilà le courant efficace en ligne que j'ai calculé. Ça, c'est la tension moyenne à la sortie de votre redresseur. C'est tout simplement 6 V racine de 6 sur 2 pi. C'est connu. Donc, vous pouvez faire le calcul directement sur la tension redressée. Donc, là, vous avez la tension redressée entre pi sur 6 et pi moins pi sur 6. Là, vous avez c'est V max sinus θ. V max sinus θ. Donc, vous faites le calcul sur ça et vous multipliez par 2. Donc, ça, c'est simple, en fait. C'est 6V. V, c'est la valeur efficace de la valeur efficace simple de la tension d'entrée. 6V racine de 6 sur 2π. Donc, de ce fait-là, la puissance apparente, en fait, c'est quoi? Par définition, la puissance apparente, c'est tout simplement la valeur efficace de la tension fois la valeur efficace du courant fois 3. Donc, la valeur efficace du courant, c'est déjà calculé, c'est 3V I0 racine carrée de 2 sur 3. Voilà. Si je calcule la puissance active, donc là, je dois rappeler en fait les expressions mathématiques car on aura besoin dans les calculs par la suite, les exemples des puissances. Donc la définition théorique des différentes puissances. Hein, définition théorique. Donc si vous avez un signal, une charge quelconque, quelconque. Consomme un courant I de T et au bord, il y a une tension V de T. Okay? Donc la puissance instantanée P de T égale à V de T fois I de T. Avec la puissance instantanée. Instantanée. Okay? Donc si cette charge-là, bien sûr, est linéaire et si V de T est sinusoïdale, donc si la charge. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Pouvez-vous changer, monsieur, le crayon? Oui, monsieur, si vous permettez. Voir. Merci. Oui, monsieur, c'est bon maintenant. Merci. Très bien. Si la charge est linéaire et V est sinusoïdale, dans ce cas-là, V de T, il y a V racine de 2 sinus oméga T, ou I de T, il y a V, ou bien I, la valeur efficace, racine de 2, sinus oméga T, plus ou le moins phi, selon le déphasage que c'est avant l'arrière. Donc, la puissance apparente P de T, ou bien la puissance instantanée P de T, l'adresse de multiplication de V fois I fois cosinus phi, et la plus P F de T. C'est ce qu'on appelle la puissance fluctuante. Puissance fluctuante. La puissance fluctuante. Si on multiplie ça avec ça, il y a V racine de 2, I racine de 2, il y a 2 VI. Il y a sinus oméga T fois sinus oméga T plus phi. Il y a le cosinus, il y a la somme, plus le cosinus, il y a la différence. Okay? Le cosinus, il y a la somme. Il y a cosinus, il y a 2 oméga T plus phi. Le cosinus, il y a la différence. Il y a oméga T plus phi, il y a oméga T. Donc, je vais attaquer phi. Okay? Donc, il y a cosinus phi.
cosinus phi كيعطيك هذا لو تيرم هذا هذه سكون ابل لا بويسونس اكتيف هذه سي لا بويسونس اكتيف ولو تيرم ريستون هذا كيتسمى لا بويسونس فلكتيونت بمعنى ريالمون لا بويسونس ديالك غادي تكون دايره غتكون دايره هكا تكون عندها واحد لا فالور موين اللي هي بي زيرو autour de ce P0 tu les عندي des ondulations de pulsation شحال هي la fréquence ديالهم 2f ماشي f اذا كانت f هي la fréquence ديال le signal هذه la fréquence ديالهم كتكون double une fréquence double une fluctuation sinusoidale autour de cette fréquence là وهذا parmi les défauts ديال les charges monophasées ان ديما كتكون عندي هاد la puissance fluctuante qui est différente de 0 le triphasé vous allez voir on peut démontrer que cette puissance fluctuante là égale à exactement 0 بمعنى لا بويسونس انستونتاني ايغال لا بويسونس اكتيف لو كان تاع لا شارج لينيير مزيان واخا دابا هادي لا بويسونس انستونتاني اشني هي لا بويسونس اكتيف لا بويسونس اكتيف بار ديفينيسيون سي لا فالور موين دو سا دونك كتعطيك هي بي بي 0 نسميوها بي 0 هي 1 سور تي لانتيغرال من 0 ل تي ديال بي دو تي دي تي سادير C'est l'intégrale sur une période de la puissance instantanée. Il y a, j'aime écrire ça en fonction des courants et des tensions, il y a 1 sur t, l'intégrale de 0 à t, dl v de t, fois i de t, dt. Donc, c'est l'expression de la puissance active. H n'est la puissance réactive par définition. Le Q, Q par définition, je n'ai pas, il y a 1 sur t, l'intégrale de 0 à t, c'est une moyenne, c'est IA. Diel V de T fois I de T moins T sur 4. DT. Ça, c'est la définition de ce qu'on appelle la puissance réactive. Okay? Et quelle est la puissance apparente? La puissance apparente, par définition, il y a la valeur efficace de V, c'est la grande V, fois la valeur efficace du courant I. Avec S égale à V fois I, en monophase bien sûr. Avec V, il y a 1 sur T, l'intégrale de 0 à T, il V de T au carré, dt, en racine carrée. Ou I, ou à la racine carrée, il 1 sur T, l'intégrale de 0 à T, il I de T au carré, dt. Ça, c'est ce qu'on appelle la puissance apparente. Monsieur? Oui. Monsieur, là, je dis que moins T sur 4 Oui. La puissance je réactive. Je t'écris, mais. Je t'écris, mais. C'est bizarre. Waha, sure. On va essayer de l'appliquer. Appliquer la chine qui est à fond de ce moment, mais je te dis qu'on va te dire moins T sur 4. On a une charge. Oui. Monsieur, la question. Oui. Monsieur, pourriez-vous revenir le diapo précédent? C'est le. Ah. Monsieur, بالنسبة للتريفازي قلنا ديك قلنا لك بويسونس فلكتيون كتكون ايكال ا زيرو نيل يعني حتى في الجراف غتكون هاد لا كومبوزون كونتيني هي اللي كاينه على كومبوزون سكي في زعما مسيو ديك بمعنى كتكون وي يعني مسيو بحال قلتي دوك لي بويسونس فلكتيون الاخرين كيتكومبونسا ولا كيفاش كيتكومبونسا اكزاكتومون Parce que tu as la puissance fluctuante, il y a la somme de la puissance fluctuante de la première phase, plus la puissance fluctuante de la deuxième phase, plus la puissance fluctuante de la troisième phase. Ou je ne sais pas ce qu'on fait. Tu as cosinus 2 oméga t plus phi, ou tu as 2 oméga t plus phi moins 2 pi sur 3, ou tu as cosinus 2 oméga t plus phi moins 4 pi sur 3. Alors la somme de l'homme est égale à 0. Mais que de la somme de l'homme est égale à 0. Mais maintenant, heureusement, fort heureusement, en triphasé, qu'est-ce qu'on dit que la puissance fluctuante est égale à 0. Voilà. Ah, d'accord, monsieur. Très bien. Donc. Une question, monsieur. Normalement, cette question a la dimension des conducteurs. Monsieur, qui dit que normalement, en triphasé, qu'on a une tierce harmonique, une troisième harmonique. هي اللي كتدخل لك في الـ في الـ في الكالكيل ديال سيكسيون ديال لو نوتر وي اكزاكتومون لحقاش كتصير في سي نورمال كيفاش هاد القضيه نورمالمون هما نورمال الترواسيام هارمونيك بحال قلت لهم كيتساجو حتى هما كيتكومبونساوش
كيفاش كيتساجوتا ما كتكونكونش اه الفاز تروازيام مود العمودي. ديال كل فاز كيتساجوتيو، حيت تقريبا كيكونوا اون فاز ملي كديرهم، حتى ملي كدير لا سوم ديالهم فيكتوري كتلقاهم كيتاجوتيو، هذا كيتاجوتيو على الاخر. دابا ملي كيكون عندك ان سينيال تري فازي، لا كومبوزونت اوموبولافي غتمشي، نورمالمون هي اللي كترجع في النوتر. لا كومبوزونت هي اللي كتهضر، هو هي اللي عندك دابا ولكن هذيك لي زارمون كلهم ستيم كومبوزونت اوموبولار هذيك. ولكن ماشي لا كيسيون، هي زعما كيقول لك نورمالمون كل ما كانوا عندك لي شارج نون لينير خاصك ها نورمالمون لو نوتر لا سيكسيون ديال لو نوتر اتوندونس ديترو ايغال لا سيكسيون ديال لي فاز. اييه هادشي علاش، لان نورمالمون لا سيكسيون ديال لوتر يمكن تكون قلب لا سيكسيون ديال لي فاز. تصور ما عنديش لا كومبوزون موبولير ايغال زيرو كاع، سي جي جاريف ا غارونتير سا تري فازي راه لو نوتر يمكن يكون رقيق كاع ان كابل كاع غير ان كار ديال لا سيكسيون يل بو سوفيير. اوكي ولكن ما كيسيركليش ليها الكورو، ولكن زعما تري فازي واش كمس تري فازي تري فازي واش لو نوتر كيسيركلي فيه شي كورو؟ نو نورمالمون لا نو. اذا شنو هو اللي كيقولوا لي غيسير في النوتر؟ هو الكورون كي اون شارج مونوفازي فقط. الى عندي كيلكو شارج مونوفازي في الانستالاسيون ديالي، لو كورون ديال هذاك اللي شارج مونوفازي الفا سيركيلي في النوتر ياك، لو نوتر دو روتو حتى كنرجع لو ترونسفو. ولكن انا دابا الى عندي غير شارج تري فازي، لو نوتر تيوريك مو خص تكون فيه ايغال لو كورون اللي دايزي يكون ايغال زيرو. ولكن اسكو سي فري؟ في الواقع لا، اسكو سي فري؟ سي با فري، لان عندي لا كومبوزيت موبولير ديما كاينه. شتي واحد لاش واحد لاشارج واخا كتقول انت ايكيليبري راه ماشي ايكيليبري 100%، ديما غتلقى واحد ام سي ام سي ديزيكيليبر كي فا اونجوندري ان كورون موبولير اللي غيسيركيلي في النوتر. اش كنديرو ضروري ياك؟ وكل لو غراف اونكور هو الا كانوا عندي لي زارمونيك، لي زارمونيك لان كلهم دي زيموبولير هادو في غير دو بوان في النوتر. يعني دابا حنا كان لومبليتيود ديالهم كبيره، قداش ما خصني نسيغ ديمونسيوني لو نوتر؟ ممكن كاش لا لا سيكسيون ديال تفوت الفاز، واش ممكن لا سيكسيون ديال تكون اكثر من لا سيكسيون ديال الفاز؟ لا 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 يمكنش، لان دونك لا لي زارمونيك نو كونستيتي كان بورسونتاج من لو كورون فوندامون من لو كورون افيكاس، راه ماشي 100% ما فهمتيش 100% واضح. هو قال لك مسيو غير ملي كيكون عندك لي شارج بزاف نون لينيير هي فين كتكون هاد القضيه بزاف، اللي خاصك دير السيكسيون ديال الكار. لا لا ريكومونداسيون ديال لا نورم الا كانوا لي شارج نون لينير كثير صاروا كومبوزيت كتقول لك لا سيكسيون ديال النوتر ايغال لا سيكسيون ديال الفاز، تقدر نفس هي نفسها. واش واش مسيو هنا فين كتستعمل هاد لوطو دارمونيك في حالة لي زابليكاسيون؟ اكزاكتومون اكزاكتومون داكور. كيكون عندي لي شارج نون لينير بصفة عامة إلى دي زارمونيك إلفو سيغ ديمونسيوني لو نوتر. اوكي إلى عندك غير ماشين عادية كوموندي تريونغل إطوال ولا كذا ديماراج ديريكت ولا هذا ما خصكش كاع دير هاد السيو ديمونسيون. ولكن مثلا مثلا كانوا الميروات بزاف لي بي سي وكذا خصك تحاول انك دير لي سي لي فارياتور دو فيتاس كذا تما خصك تحاول السيو ديمونسيون. اوكي باش نرجعوا لهاد القضية ديال ليكسبرسيون دو كي دو اي دو بي. إلا خدينا لوكال اللي شفنا دابا عاد، إلا خدينا في دو تي قلنا هو في غاسين دو 2 سينوس اوميغا تي، وناخذ اي دو تي هو اي غاسين دو 2 سينوس اوميغا تي بلس في. في هذه الحاله بغيت نحسب لا بويسونس اكتيف، لا بويسونس اكتيف قلنا شنو هي لا بويسونس اكتيف؟ قلنا هي لانتيغرال، هي ان سور تي باردون، لانتيغرال دو 0 ا تي ديال اش ديال v de t، c'est-à-dire v racine de 2 fois i de t fois i racine de 2 fois sinus oméga t fois sinus oméga t plus phi dt. C'est ça. Alors je préfère là passer en au lieu de ne pas prendre le temps en deux les têtes en deux les têtes à l'angle. فهاد الحالة تي كتولي هي دو بي، كتعطيني بي هي ان سور دو بي، في اي هي في فوا اي غاسين دو دو فوا غاسين دو دو هي دو سور تي هي دو بي. هنا الانتيغرال من زيرو دو بي ديال اش ديال سينوس اوميغا تي، سينوس اوميغا تي بلس في اوميغا تي سينوس اوميغا تي بلس في دي تي. اشنو هو سينوس اوميغا تي؟ سينوس اوميغا تي بلس في. سينوس اوميغا تي سينوس اوميغا تي بلس في هي كتقول لك سينوس ا سينوس بي
شنو هو؟ هو كوسينوس A moins B ou A plus B pardon sur 2 moins cosinus A moins B sur 2. Donc, regardez la hausse de l'essai. Il y a 2 VI sur 2π. L'intégrale de 0 de π. Notre dθ, pardon. La directement mondiale θ. L'indice de changement de variable. Donc, sinus θ plus φ. Il y a cosinus. Il y a 2, mais 2, ça saute. Je ne vais pas le faire. Cosinus, la somme, c'est-à-dire 2 θ plus φ sur 2. Donc, sur 2, on va faire le bras. Moins la différence, θ moins θ plus φ, c'est-à-dire cosinus φ dθ. Donc, quand on a quoi? À la puissance de fluctuation que l'on a l'air, mais elle est ici, elle dit la puissance de fluctuation. Ok, c'est la puissance active. Donc, je vais vous donner ça. Il y a V I cosinus phi sur 2π fois θ entre 2π et 0, il y a 2π. Donc, ça saute, mais elle dit qu'elle parle qu'il y a V cos phi. Le chola égale à 0. La moyenne du cosinus, il y a 0. Donc, bien malin, qu'elle parle qu'il y a V I cosinus phi. C'est la puissance active. Les quatre alphons. La puissance réactive maintenant. La puissance réactive, vous connaissez quoi? Donc, la puissance réactive, on a toujours un V égale à V racine de 2 sinus oméga t, ou I égale à I racine de 2 sinus oméga t plus phi. Vous connaissez qui c'est quoi? Il y a 1 sur, je vais dire directement le θ, il y a 1 sur 2 pi. Intégrale de 0 de pi, dlh, dlv de t, il y a v racine de 2, fois i de t, il y a i racine de 2, sinus, θ, plus phi, plus, ou le moins, t sur 4. T sur 4, il y a 2 pi sur 4, il y a pi sur 2. Pi sur 2. Dθ. Voilà, on a sinus θ plus φ moins π sur 2 sinus. Donc, on a avec le i v racine de 2, i racine de 2, ça veut dire qu'il y a 2 vi sur 2π, ça veut dire qu'il y a v, vi sur π. Donc, on sait qu'il y a vi sur π. L'intégrale ni, 0 de π. On dit sinus fois sinus. On a sinus fois sinus toujours, il y a, on a là. Sinus fois sinus, il y a cosinus la somme moins cosinus la différence. Et il y a cosinus la somme, il y a 2 θ plus π moins π sur 2 plus ou le moins, pardon, la différence. Cosinus θ moins θ, c'est-à-dire il y a moins φ, c'est-à-dire φ. Moins pi sur 2. Et dθ. Hadi, la moyenne est égale à 0. Et pas mis Hadi. Donc, c'est où il y a VI sur pi, Z, fois cosinus, ou avec un signe moins bien sûr, fois cosinus, pi moins pi sur 2. Et je coule le fois 2 pi. Et je 2, on a quelque part zeta. Ah, 1 sur 2, il y a cosinus A plus B sur 2, cosinus. Donc, on a mis le dernier, le donner. Le 2 pi, avec le 2 pi, ça saute. Je vais prendre le palier, il y a moins VI. Cosinus phi moins pi sur 2. Je n'ai rien. Au moins cosinus phi moins pi sur 2, il y a sinus phi. Il y a VI sinus phi. C'est-à-dire la puissance réactive que vous connaissez. OK? Donc, en fait, la définition mathématique de la puissance réactive, c'est ça.
اللي شفنا الميزه هنا هذه سي لا بويسونس رياكتيف. بمعنى في لوكا ديالنا حنا دون نوتخ كا سي اون اساي دو كالكولي لا بويسونس رياكتيف دون نوتخ كا، شنو عندنا الميز في لوكا ديالنا؟ عندنا سا دونك عندي لو سينيال في سي سينوسويدال هاف في Et le courant, ce n'est pas sinusoïdal, mais c'est un signal carré avec des ondes mortes. Ok? Donc on a dit I0. Maintenant c'est moins I0. On a pi sur 6. On a pi moins pi sur 6. Voilà. Donc I de t, ouais. I de t. Si je veux calculer maintenant le Q, c'est quoi? Le Q, par définition, on a 1 sur t. L'intégrale de 0 t, d'iel v de t, fois i de t, moins t sur 4, dt. H n'a i de t moins t sur 4. Bien, alors, c'est un déphasage d'iel t sur 4 sur ce signal-là. Okay? Donc, pour t égale à t sur 4, i de t moins t sur 4, qu'est-ce que c'est? Oui, i de 0. Donc, à t sur 4. T sur 2, à t sur 4, oui, là. Et maintenant, le signal, on va décaler notre couleur parce qu'il va lier le nouveau signal. On donne le signal, on donne le décalage comme ça, le I de T moins T sur 4. Monsieur, juste oui? La question, est-ce qu'il y a une signification physique à la de retard là? Je vais quand même voir l'expo de l'actif quand on dit un retard de T sur 4. La signification physique, la puissance réactive, ce n'est pas une puissance qui donne des effets sur la charge. Mais maintenant, il y a une puissance échangée. OK? C'est une puissance échangée. Mais maintenant, c'est une puissance qui est due à un déphasage. Donc, maintenant, quand on cherche l'effet de le courant, il a la composante, il a la représentation complexe de le courant. On dit le courant direct, ou ADA. C'est le courant direct. On dit le courant en quadrature. D'abord, la puissance réactive. La puissance active, il est due à ça. Ok, la puissance réactive, il est due à quoi? Il est due à ça. Et maintenant, je dois procéder à un déphasage arrière de combien de pi sur 2? Où est-ce qu'on dirait ça, t sur 4? C'est clair ce que je viens de raconter là. C'est-à-dire la signification d'elle, mathématiquement parlant, j'ai ce que maintenant, la puissance réactive, en fait, c'est une puissance virtuelle. Ce n'est pas une puissance réelle. C'est clair? C'est une puissance conjuguée. C'est pourquoi que je procède à ce déphasage-là. C'est ok? Monsieur, si vous avez plus, vous avez moins, vous avez plus, le résultat, non? Vous avez plus, vous avez plus, vous avez plus. Un petit cinéma, mais quand on se met à les moyennes. Donc les moyennes, je ne sais pas. C'est clair? Je vois d'accord, je ne vois d'accord. Oui, monsieur. Très bien. Donc, il y a un signal de la palette. C'est quelque chose comme ça. Donc, comme ça. Comme ça. OK. حالا شكون كتساوي هذه؟ قلنا هذا الوسط هذا اللي ديكالي دو كومبيان هو هذا ديكالي دو كومبيان بهذا لونغل هذا بي سور 2 هذه سي بي سور 6 هنايا بي مون بي سور 6 بمعنى هنا هذا بي سور 2 il commence à monter ماشي بي سور 2 باردون il commence à monter بي سور 2 بلس بي سور 6 OK, habot. Fesh. Pi moins pi sur 6, plus pi sur 2. 3 pi sur 2. Moins pi sur 6. Et maintenant, il me clime directement en angle, qui est à peine 1 sur 2 pi. On va dire l'intégrale réelle à la partie 1. Bien maintenant, on va dire le calcul. On va dire 9. Bien maintenant, on va dire 9 fois 2. L'intégrale. Min, min 0, tu l'as dit, min pi sur 2, plus pi sur 6, c'est 3 pi sur 2, moins pi sur 6. Il y a V de t, qu'est-ce que tu l'as V racine de 2, sinus θ. I de t moins t sur 4, qu'est-ce qu'on y a I0. C'est-à-dire, d θ. Donc, bien maintenant, qu'est-ce que je l'ai dit, V I0. 2 avec 2, ça sort, il y a V, I0, il y a V, I0, fois racine de 2,
sur pi, l'intégrale de sinus, il y a cosinus. Moins cosinus. Fois moins cosinus. Moins cosinus θ, min, pi sur 2, plus pi sur 6, 3 pi sur 2, moins pi sur 6. Ah, je ne sais pas rien. Alors, il y a sinus, il y a pi sur 6. Ou 3 pi sur 2, moins pi sur 6, il y a sinus, il y a moins sinus, il y a pi sur 6. Alors, il y a 0. Donc ça va donner un grand zéro. Donc vous pouvez remarquer là que malgré que le signal la charge est non linéaire, la charge, la puissance réactive égale à zéro. C'est ce qu'on a dit là. Donc la puissance réactive, c'est l'intégrale de Vn de θ, bien sûr, fois I1 de θ moins pi sur 2. Donc le 3, c'est juste pour parler du triphasique, car on a une charge triphasée, dθ. Donc on trouve là, comme on a démontré là tout à l'heure, là, égale à. Égal à 0. Donc, vous pouvez remarquer là que le S, c'est ça. Le P, c'est tout simplement le UD fois I0, c'est la puissance réellement consommée par la machine. Donc, je suppose que le redresseur n'a pas de perte. Et le Q, c'est 0. Donc, est-ce que dans ce cas-là, avec ce S qu'on a là, le P qu'on a là et le Q qu'on a là, est-ce que le S égale, est-ce que le S carré égale P carré plus Q carré? Dans ce cas-là, c'est non. Car en fait, le Q carré égale à 0. Est-ce que dans ce cas-là, le S carré égale à P carré? Il est clair que ce n'est pas vrai. Donc, car en fait, le 3VI0, hein, racine de 2 sur 3 au carré, il est différent de 6VI0, racine de 6 sur 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'il y a une autre puissance. Il y a une autre puissance qui est là. Et bien sûr, cette puissance-là, il va bien sûr circuler dans les différentes composantes du système. Et bien sûr, cette puissance-là, il aura bien sûr des effets autres que la puissance active. Ce n'est pas de la puissance active, ce n'est pas une puissance active. Cette puissance-là, elle est due à quoi? Elle est due à la déformation du signal, ce qu'on appelle la puissance déformante. OK? Donc, si je veux calculer cette puissance-là, donc il y a la formule très populaire de la puissance apparente, c'est tout l'air de S carré, après il y a P carré plus Q carré avec le régime sinusoïdal. Donc avec le régime déformé, c'est tout l'air P carré plus Q carré plus D au carré. D au carré, c'est ce qu'on appelle la puissance déformante. Donc dans ce cas-là, la puissance déformante égale quoi? C'est tout simplement la racine carrée de S carré moins P carré. Okay? Dans ce cas-là, bien sûr, puisque le Q carré égale à 0. Mais sinon, c'est S carré, la racine carrée de S carré moins P carré moins Q carré. Donc, je peux la calculer ici. Donc, ça va donner quoi? C'est tout simplement VI0 racine carrée de 6 racine carrée de 1 moins 9 sur pi au carré. Ça, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est le taux de distorsion harmonique. Ça, c'est le THD. Donc, la puissance déformante, c'est tout simplement, dans notre cas-là, VI0 racine carrée de 6 fois le taux de distorsion harmonique. Bien sûr, cette expression-là, ce n'est pas une expression généralisée. Mais sinon, il faut à chaque fois réaliser des calculs pour trouver cette puissance déformante. Okay? Donc, dans ce cas-là, malgré que la puissance réactive égale à 0, le facteur de puissance n'égale plus à 1, mais il égale à 3 sur pi. Donc, la puissance active sur la puissance apparente. Donc, le taux de distorsion harmonique aussi égale à racine carrée de 1 moins 9 sur pi au carré. Que se passe-t-il dans ce cas-là? C'est-à-dire, on a un redresseur, c'est une charge non linéaire qui alimente une machine à courant continu. Donc, ce redresseur-là n'absorbe plus un courant qui est sinusoïdal, mais un courant qui est déformé. Donc, il va créer un certain nombre d'effets indésirables. Donc, c'est un signal qui est riche en harmoniques. Donc, quelles sont les harmoniques qui existent? Donc, dans ce signal-là, donc on a déjà, je crois, fait la décomposition en série de Fourier de ce signal-là. Yeah. Okay, décomposition en série de Fourier de ce signal. C'est ça. Donc on a trouvé ça.
On a trouvé. C'est pas là. Je ne sais pas où on a calculé. Là. Oui, elle est là. Cosinus n pi sur 6. 4i 0 sur pi n. Donc, 4, donc le an, c'est 4i0 sur pi n fois cosinus n pi sur 6. Les harmoniques les harmoniques paires, c'est ça? C'est-à-dire les harmoniques les le fondamental qui est bien sûr, donc le a1 égale 4i0 cosinus c'est a sur pi fois racine 3 sur 2. OK. Andy A2, on annule. On annule les harmoniques paires, les harmoniques impaires. A3 maintenant, égale combien A3? C'est 4i0 sur 3pi fois cosinus d'L 3pi sur 6. Ça va donner quoi? 3pi sur 6, c'est cosinus pi sur 2. Cosinus pi sur 2 égale à 0. C'est-à-dire A3 égale à l'harmonique 3 égale à 0. Dieu merci. Déjà, l'harmonique 3 égale à 0. L'harmonique 4 égale à 0 aussi. L'harmonique 5 maintenant. L'harmonique 5 égale à 4i0 sur 5pi fois cosinus 5pi sur 6. L'harmonique 6 égale à 0. L'harmonique 7 égale. Donc, l'harmonique 7 égale 4i0 sur 7pi fois cosinus 7pi sur 6. C'est toujours différent de 0. L'harmonique 8 égale à 0. L'harmonique 9, on fera des choses. L'harmonique 9 égale à combien? Donc, 9pi sur 6, c'est-à-dire 2 cosinus de 2pi. C'est ça? 3pi. 3pi sur 2. Cosinus de 3pi sur 2 égale à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, les harmoniques 3 et multiples de 3 sont nuls. C'est-à-dire 3, 6, c'est déjà nul car c'est pair. 9, 12, 15 sont tous des harmoniques qui sont nuls. H normal les harmoniques les plus gênants dans notre cas-là. Donc, on dit le fondamental de la théâtre. Donc, l'harmonique le plus gênant dans ce cas-là, puisque l'amplitude de cette harmonique-là, elle diminue en 1 sur n, c'est-à-dire la courbe comme ça, les amplitudes et les harmoniques, du maintenant, de plus le n augmente, de plus l'amplitude de l'harmonique, il diminue. Puis maintenant, l'harmonique gênant, c'est ça. Si je calcule le taux de cette harmonique 5, égale quoi? Si je divise ça sur ça, donc 4i0 avec 4i0, ça saute, puis avec pi, ça saute, ce qui est pas l'IA. Et après l'IA, cosinus 5pi sur 6 sur 5 fois racine 3 sur 2. Cosinus 5pi sur 6, je sais pas. Cosinus 5pi sur 6, il y a cosinus d'iel pi moins pi sur 6. Cosinus d'iel pi moins pi sur 6, il y a moins cosinus pi sur 6. Il y a racine 3 sur 2, donc 1 sur 5. À peu près 1 sur 5. C'est à peu près 20%. Vous pouvez voir que le ton numéro 5, son amplitude là, il vaut 20% à peu près du signal fondamental. Okay? Donc c'est trop. C'est trop comme valeur. Donc déjà, une amplitude qui vaut à peu près 20% du fondamental qui circule sur le réseau avec une fréquence qui est 5 fois la fréquence du fondamental. Quel est l'effet de cette fréquence-là? Donc l'effet, le signal, il est riche en harmonique. L'harmonique 5, il vaut, donc c'est à peu près 20% du fondamental.
دونك شنو هو المشكل ديال ان يكون عندي لي زارموني كي سيركول في لو ريزو. دونك لي زارموني كي سيركول في لو ريزو سادير كاين اون بويسونس فليكسيون سادير اون ديغراداسيون دو فاكتور دو بويسونس واحد دو كاين لي في دو بو سادير لوغمونتاسيون دي بيرت جول. كومون سا سفي سات كيستيون دو لوغمونتاسيون دي بيرت جول. دونك l'augmentation des pertes joules due à l'effet pelliculaire. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez cet effet-là ou non? Effet pelliculaire. Massif. Okay. De plus, la fréquence augmente, de plus, les électrons ont tendance à circuler sur la périphérie. On définit ce qu'on appelle la périphérique du pot ou bien l'épaisseur de pot, l'épaisseur de pot delta. Ce delta là, c'est il détermine exactement la couronne dans laquelle il circule le courant. Ce delta là, il dépend d'une fonction, on va le voir par la suite, le CEM, c'est une fonction de la fréquence, de la fréquence, c'est-à-dire de plus la fréquence augmente, de plus le delta diminue, de plus f augmente, de plus le delta, il diminue. Qu'est-ce que ça veut dire le delta, il diminue? C'est-à-dire la section, les électrons ne circulent plus dans la totalité de votre conducteur, mais ils circulent juste dans une couronne hein, particulière de ce conducteur-là. C'est-à-dire la section sur laquelle il circule le courant. Ce n'est pas la totalité du section de votre conducteur, mais c'est juste une section réduite. Il y a de la section réduite. Calme la section, il y a le conducteur, n'est-ce pas? Donc, puisque cette section-là est inférieure à la section totale du conducteur, c'est-à-dire la résistance vue par ce courant-là, c'est quoi? Il y a rho fois L sur S. Ce S-là, il diminue, c'est-à-dire le R-là, il augmente. Le R, il augmente, c'est-à-dire les pertes joules augmentent. Implique perte joules augmente aussi. Perte joules augmente aussi implique distribution. Il y a un problème là. Donc, le rendement de votre distribution là, il diminue tout simplement. Donc, voilà ce que je veux dire là, la dégradation du facteur 2, du facteur de puissance. Donc, le rendement de la distribution, il diminue. Et bien sûr, vous aurez un autre problème qu'on va bien sûr le voir par la suite, c'est le problème de perturbation des circuits au voisinage. C'est-à-dire là, vous avez une charge puissante qui génère des fréquences qui sont des multiples de la fréquence fondamentale. C'est-à-dire, je parle des fréquences 5 fois, 10 fois, ou bien 9 fois, 11 fois, 33 fois, et ainsi de suite. Donc, ça dépend de votre matériel, ça peut que vous avez par exemple un appareil de télécom qui peut s'accorder sur un harmonique multiple de votre signal. Ça, c'est un problème. Ça peut que ce signal-là, il va altérer un circuit électronique de mesure, un capteur par exemple. Donc, dans ce cas-là, on parle de perturbation des circuits au voisinage des circuits qui sont sensibles, tels que les chaînes d'acquisition, les circuits de télécom et ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi dans ce cas-là, on a un problème. Un problème de charge non linéaire qui existe sur le réseau, qui sont inévitables, bien sûr. On ne peut pas éviter ces circuits-là, mais qui présentent des défauts ou bien des problèmes qu'il faut surmonter pour rendre l'environnement l'environnement, bien sûr, un peu fonctionnel pour toutes les charges et pour toutes les applications. Bon. Donc là, c'est un exemple de quelques charges pollueurs. Elle est couramment rencontrée, vous allez les voir dans les différents cas. Donc, les ordinateurs sont des charges polluantes. Donc là, vous avez un petit schéma qui représente grosso modo la forme du courant absorbé par votre alimentation flyback. Donc, vous pouvez voir là. Hein. Donc, ça, c'est le cas d'un redresseur à diode de courant HADA. Le cas des redresseurs à diode débitant sur une charge capacitive.
Donc, le cas des redresseurs à diode. Voilà. Alors, quand ça, les redresseurs à diode. Débutant sur une charge capacitive. Vous aurez ce courant-là. Le courant qui est de la formule. Les ordinateurs PC. Comme les variateurs de vitesse sont aussi des charges polyvalentes. Donc, vous pouvez voir ces courbes-là. Okay. Donc, c'est un peu bizarre, mais c'est le cas de redresseur. Débutons sur une charge LC maintenant, non pas sur une charge L. Vous avez les lampes à décharge, ce sont aussi des charges polyvalentes. Vous pouvez voir là. Toujours, vous avez sur une période. Hein, sur chaque période, vous avez un pic, un appel de courant qui s'atténue avec le temps, puis un appel de courant et ainsi de suite. Le courant n'est plus sinusoïdal, mais c'est un courant dans lequel il y a des pics chaque instant. Donc, les tubes fluo, ce qu'on appelle les tubes fluorescents. Ces ondes se font voir le courant. Bien sûr, je parle. Là, le fondamental qui est cosmique suédois, il n'est pas cosmique suédois, fondamental. C'est la forme du courant instantané. C'est le I de terre. Madame, c'est fondamental, c'est sinus suédois. Il n'y a pas le courant, il y a I de T quelconque. Il y a I0, la moyenne. Il y a qu'un symétrique, il y a la valeur moyenne d'I égale à 0. Plus le I1, c'est le fondamental. I1, sinus oméga T plus phi. Plus les différentes harmoniques, la somme de H égale à 2 jusqu'à l'infini, d'IL IH sinus H oméga T plus phi H. Donc, le fondamental, où est-ce? Le fondamental, la sinusoïdale, c'est le fondamental, c'est le fondamental, c'est la moyenne. C'est les harmoniques, ok? Donc, la somme de la chicolo, la somme de la chicolo, où est le courant instantané, ok? Oui. C'est OK? C'est OK ou non? Oui. Très bien. Donc, là, c'est un exemple, bien sûr, de redresseur à diode débitant sur une charge RC. Ça existe aussi dans quelques applications, telles que les fous. Donc, vous allez trouver ce genre d'application. Donc, vous pouvez voir la forme du courant. C'est le plus sinusoïdal. Donc, perturbations observées sur les équipements et installations électriques. Donc, quelles sont les perturbations qui sont observées sur les différents équipements? Bien sûr, je parle de charges non linéaires, polluantes, sans compensation. S'il y a de la compensation, bien sûr, vous n'allez pas observer tout ça, mais peut-être vous n'allez rien observer. Mais si vous avez un problème, il faut le corriger. C'est-à-dire, si vous observez l'un de ces symptômes-là sur votre installation électrique, il faut penser à une compensation. Il faut revoir le ou les systèmes qui sont suspects de dégrader cette qualité d'énergie électrique. Donc, dégradation de la qualité d'énergie électrique, c'est-à-dire que vous allez voir ou bien observer un certain nombre de phénomènes qui sont perturbants et qui vous dérangent le fonctionnement de votre installation. Donc, comme nous l'avons précisé précédemment, la circulation du courant harmonique va contribuer à l'augmentation des pertes par effet joule dans les conducteurs électriques, c'est ce qu'on a dit là. Donc, l'augmentation de la résistance qui est due à l'effet Doppler, effet pelliculaire. Très bien. Ensuite, la diminution du facteur de puissance de l'installation. Donc, on l'a dit déjà, donc, c'est-à-dire la dégradation de ce facteur de puissance qui est dû à l'existence de la puissance déformante. Bien sûr, cette diminution du facteur de puissance, parfois on peut le corriger par des capacités. Donc, la méthode usuelle que vous connaissez, c'est-à-dire l'installation de capacité pour augmenter la puissance réactive et compenser ce problème-là.
Mais parfois, c'est impossible de corriger ce facteur de puissance-là par des capacités. Il faut utiliser des filtres. C'est ce qu'on va voir par la suite. Bien sûr, cette question d'harmonique-là, il va contribuer aussi au vieillissement prématuré des équipements raccordés à l'installation électrique en diminuant leur durée de vie. Comment? Donc, généralement, ces harmoniques-là qui circulent sur les conducteurs ont tendance à dégrader, bien sûr, les isolants. Comment ils dégradent les isolants? Car en fait, la circulation de ces courants harmoniques-là ne se fait que sur la pellicule, c'est-à-dire un échauffement excessif de votre conducteur. Cet échauffement-là a tendance de dégrader ces isolants-là. Aussi, dégradation d'un certain nombre d'appareillages tels que les machines, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire des harmoniques de plus? C'est-à-dire des vibrations supplémentaires. Vibrations supplémentaires, c'est-à-dire il y a un problème sur les parties mécaniques de votre machine, c'est-à-dire dégradation des parties mécaniques, le roulement, les engrenages et tout. Donc, ça nécessite toujours des corrections et des changements et des modifications de cet appareillage-là. Dégradation aussi des isolants des machines, c'est-à-dire là, vous avez un certain nombre de machines qui utilisent un isolement. Bien sûr, cet isolement-là, il est prévu pour un courant harmonique sinusoïdal. Mais lorsque vous utilisez des courants harmoniques, dans ce cas-là, vous avez un échauffement supplémentaire qui peut dégrader cet isolement avec le temps, par toute la dégradation de votre machine. Donc là, si vous voulez, c'est un petit résumé de quelques perturbations observées sur les installations électriques. Donc, par exemple, sur les machines tournantes, vous allez voir, par exemple, des échauffements supplémentaires. Par exemple, une machine qui peut s'échauffer à 80 degrés C, par exemple, remarquer que cette température-là, elle monte à 85, par exemple. Donc, si vous mesurez la température, vous pouvez remarquer que cette température-là, elle est supérieure à la normale. Donc, bien sûr, ce 5 degrés-là ne va pas détruire la machine instantanément, mais ça va contribuer à la destruction à long terme de cette machine-là. C'est-à-dire, au lieu que cette machine-là fonctionne pendant une durée T, il va peut-être fonctionner pendant une durée T prime qui est inférieure strictement à ce T-là. Par la suite, vous aurez à changer cette machine-là d'une manière avec une période un peu minimale. Donc, échauffement supplémentaire, voilà un premier problème. Deuxième problème, les couples pulsatoires, c'est ce qu'on a dit là. Donc, les couples pulsatoires qui sont dus à l'existence de ces harmoniques-là, donc qui se traduisent par des vibrations sur la machine. Donc, voilà les couples pulsatoires. Qui peuvent engendrer, bien sûr, qui peuvent agir sur la stabilité mécanique des moteurs. Donc, vous allez voir ça, des vibrations, du bruit sur l'installation, du bruit supplémentaire, c'est-à-dire supérieur à la normale. Les transformateurs. Pour les transformateurs, vous avez des pertes supplémentaires. Donc, ces pertes supplémentaires-là, elles sont dues à quoi? Elles sont dues par des pertes diélectriques déjà, car on parle de courant harmonique. Donc, déjà, dans ce cas-là, les capacités équivalentes qu'on les néglige pour le fondamental, ils ne sont plus négligeables pour les harmoniques 5 ou bien 7 ou bien 11 et ainsi de suite. Donc, dans ce cas-là, le 1 sur C oméga, qui est la capacité équivalente de ces conducteurs-là. Donc, peut-être il est négligeable pour le fondamental, mais il ne l'est plus pour les courants supérieurs, c'est-à-dire un courant supplémentaire qui sera bien sûr consommé par le diélectrique lui-même. 1. 2. Donc, comme on a dit là, cette question de l'effet pelliculaire, c'est-à-dire l'augmentation de la résistance et la consommation supplémentaire de perte de joule. C'est-à-dire le rendement de votre transformateur, qui a été prévu à, par exemple, 98%, ne le sera plus, mais vous aurez un rendement nettement inférieur. Donc, dans ce cas-là, on parle de problèmes qui sont liés à l'existence de ces harmoniques-là. Un troisième problème pour les transformateurs, c'est la saturation du circuit magnétique. Donc, surtout s'il y a des harmoniques paires. On sait que le circuit magnétique, il se sature par s'il y a des composantes continues. Qu'est-ce que ça veut dire les harmoniques paires? C'est-à-dire ces harmoniques paires-là, avec le fondamental, la somme au carré, donc car vous avez une courbe de saturation, la somme au carré, elle va donner la fréquence somme et la fréquence différente. La fréquence différence. Donc, vous pouvez remarquer là, 2 oméga plus 2 oméga. 2 oméga moins oméga. Ça donne une composante continue avec une fréquence double. C'est 4 oméga. Donc, la fréquence différence, c'est une composante continue qui a tendance à saturer le circuit magnétique.
Donc, voilà. Ce que vous Les entendez, polycables, les paires ohmiques. Non? cette explication Oui, logique qui devrait être question. claire. Ah, les harmoniques paires. J'ai pas bien Voilà, saisi. chauffe-moi un zéro. Voilà. Donc, le transformateur. Le transformateur, un circuit magnétique. Un circuit magnétique, a la caractéristique. A la caractéristique de fonctionnement. Comme ça, c'est ça? De votre circuit magnétique. Généralement, cette caractéristique-là. Généralement, c'est un cycle d'hystérésis. On peut négliger le cycle d'hystérésis. Il a la charge des élèves. Waha. D'abord, on a quand le transformateur ديالنا généralement fait la courbe كلها ولكن كيخدم في une partie ديالها. Bon, il ما كانش عندي une composante continue. بمعنى la tension sinusoïdale il engendre un courant sinusoïdal. Là, vous avez le H en fonction du B. OK? C'est clair? Mais si vous avez maintenant une composante continue, si vous avez une composante continue, c'est-à-dire là, vous avez la courbe, mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on décale? Qu'est-ce qu'on comme ça? C'est-à-dire, au lieu que vous aurez ça ici, vous l'aurez peut-être là. Et donc, la composante continue. La composante continue, il y a qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer une déformation. Le signal sinusoïdal. شنو غيعطيني في لوتر كوتي شنو غيعطيني من هنا غيعطيني واحد السنين ديال بحال هكا بيان سور يكون لا ديفورماسيون كي يدو ليستيريزيس وداك الشيء شي حاجه كوم سا ولكن في جهه اخرى سي با لا ميم امبليتود دونك يولي عندي واحد لونتيتود كوم سا جهه اخرى اون امبليتود ان بو انفيريور لان كان عندي اون كومبوزونت كونتينيو دونك سو كي فا دونك اون فيت هاد الشيء شنو كيأدي ليا كيأدي ليا ان عندي واحد لونتيتود صغيره في واحد الجهه ولكن في الجهه اخرى عندي واحد لونتيتود كبيره بمعنى جي توندونس ا اريفي ا سو بتي بوين لا سو بوين دو ساتوراسيون يعني حنا جينيرالمون قلنا ما كنخدموش في لا كورب كامله كنخدمو غير في اون بارتي ديالها بمعنى عندي توندونس نوصل لهاد لا بارتي ديال لا ساتوراسيون وملي كنوصل لهاد لا بارتي ديال لا ساتوراسيون اش كتعني لو سيركوي مانيتيك اللي ساتوري سيركوي مانيتيك ساتوري سيتادير راه وصلت لا ليميت ديالو ولا بحال شي خشبه اي نو ترونسمي با دو بويسونس الكترومانيتيك سي كلير بمعنى هاد لو سينيال اللي كنت كتوقع انت غيكون ديال بحال هكا مثلا il ne l'est plus. Il y a un certain niveau qui veut dire comme ça. Déformé. C'est-à-dire une déformation de plus qui est due à la saturation. OK? Ou à la composante continue. Il y a la question. La composante continue, bon. La composante continue, c'est le fait que le signal, le flux dans le circuit magnétique, il a la courbe de la première aimantation que vous connaissez. Comme ça, c'est ça. عندها واحد لابارتي لينير هي هادي هاد لابارتي لينير كتكون عندي لو فلو ايكال ال فوا اي ياك لو فلو هي اون كونستانت لاندكتونس مضروبه في لو كورون ولكن اون فوا جو ديباس سات ليميت لا شنو كيولي عندي ما بقاش ال فوا اي كتولي لو فلو كيساوي اون فونكسيون ديال لو كورون اي هاد لا فونكسيون اون بو لابروشي بارفوا بار اون ابروش بولينوميال كتولي عندي هي واحد ا0 فوا ا0 فوا اي بلس ا1 فوا اي او كاري بلس ا2 فوا اي 3 اي ان سو سويت دونك يمكن لي ابروشيها باغ اكزومبل بار ا0 فوا اي بلس ا1 فوا اي او كاري مثلا الى اعتبرت غير هادي غير هاد لو تيرم اش كتعني لو سينيال ديالي عندي فيه لي بارتي او اوميغا اي لي بارتي اون les parties en oméga et les parties en oméga au carré. Mais maintenant, nous regardez là. On a le signal sinus θ, sinus θ plus phi. Et voilà le terme. On a la somme ou la différence. Il y a la somme ou la différence. Il y a sinus de θ ou phi. C'est clair? On a dit au carré. Il y a sinus θ. سينوس تيتا بلس في وكاري دوك عندي هادي وعندي هادي
C'est ça? Il fait sinus theta, sinus theta plus phi, et sinus theta plus phi au carré. Sinus theta plus phi au carré, il y a cosinus phi, cosinus 2θ plus phi au carré. Il y a une composante continue, des composantes harmoniques. هاد لا كومبوزون كونتينيو شنو المشكل ديال هادي؟ هادي هي اللي كتهز لي هاد البوان دو فونكسيونمون، في عندنا نبقى نخدم اوتور دو زيرو، كتولي عندي لو سينيال بلوس اي موان، كنولي خدام اوتور ديال هاد البوان هذا باغ اكزومبل، خدام بلوس اي موان. لاحظ معايا مزيان الا كنت خدام اوتور ديال هاد البوان هذا، في عندنا نخدم لينيارمون، كتولي واحد الجهه راني لينيار، واحد الجهه راني اون كورب كي نون لينيار. اسكو سي كلاس كو جو فين نو راكونتي لا؟ على كل حال المساله نتاع لي زانتي هارمونيك حنا جايين ليها لان غنتكلم عليها اون ديتاي لان غنحتاجوها. اوكي هذا سي لو بروبليم سكون ابل لي زانتي هارمونيك ستادير لا فوزافي كيلكو هارمونيك دون فوتر سينيال سي فوزافي اون شارج كي نون لينيار حنا خدينا غير ليكزومبل ديال لو ترانسفورماتور اللي عنده ان سيركوي ماغنيتيك كي نون لينيار اللي كو جو بو لابروشي بار اون فونكسيون بولينوميال كون جو في باسي سو كورون لا دون سو سيركوي لا سا فا دوني بيان سور دي زانتي هارمونيك الا كان عندي les harmoniques de courant et de flux 2 oméga, 2 oméga. Donc la somme d'elle, on va 4 oméga, mais la différence d'elle, on va 0. Donc la différence 4 est 0, il y a la composante continue. Cette composante continue, en fait, ça va causer des problèmes. Donc, à chaque angle, soit la composante continue elle-même qu'elle a, donc elle est rare, ou elle est qu'elle est une composante harmonique paire. Les harmoniques paires, c'est maintenant qu'il y a des composantes continues, des canaux de charge non linéaires, pour qu'elle ait des données. دونك هاد لي زارمونيك بير كيعطيني لا كومبوزونت كونتينيو هاد لا كومبوزونت كونتينيو كدير ليا هاد لو بروبليم تاع لو تاع لا ساتوراسيون. اوكي اوكي لي كابل بير اوميك دونك قلنا علاش البير اوميك فييسمون بريماتوري دو ليزولون سي ديجا دي بير ديليكتريك سوبليمونتير دونك سي كوم لي ترانسفو كوروزيون دي كابل دالومينيوم سي كومبوزون بير اي كونتينيو دونك سي نورمال l'effet de peau. Donc l'effet de peau est qui délina le problème de perte ohmique supplémentaire. Les micro-ordinateurs, on peut parfois remarquer des dysfonctionnements carrément. Des dysfonctionnements qui sont dus à l'existence de ces couples pulsatoires des moteurs d'entraînement des supports magnétiques, c'est-à-dire les disques durs par exemple. Donc, vous avez ces couples pulsatoires-là qui vont bien sûr agir sur la lecture ou là l'écriture de quelques données. Parfois, vous pouvez remarquer qu'il y a perte de données, qu'il y a des disques durs qui tombent en panne régulièrement. L'installation électrique que vous avez, qui n'a pas une bonne, qui ne respecte pas les normes de qualité. Et inversement, vous pouvez même parfois remarquer des allumages et des extinctions intempestives de votre machine, de votre ordinateur. Dans ce cas-là, on peut dire qu'il s'agit de problèmes de qualité d'énergie électrique. Voilà, l'électronique industrielle, c'est-à-dire les électroniques de commande, défauts qui sont parfois dus à la forme d'onde de votre signal aussi. Pour les dispositifs de communication, si vous avez des signaux, des organes de transmission ou bien de réception de données, dans ce cas-là, vous avez le problème d'interférence. Donc, interférence, c'est-à-dire entre votre fréquence harmonique et la vraie fréquence du signal de votre système. Dispositifs de télécommande, les relais de protection, les fusibles, c'est-à-dire l'appareillage électrique, parfois, on peut remarquer ça. Si vous remarquez ça dans une installation électrique, c'est-à-dire que vous avez un problème de qualité, c'est-à-dire que vous avez un problème de dégradation de la qualité d'énergie qu'il faut le prélever. Donc, c'est-à-dire si vous avez des ouvertures et des fermetures intempestives de certains appareillages, il y a une installation électrique qui a des disjoncteurs de sud, mais il y a une installation électrique. Il y a une course à la alors le disjoncteur il déclenche. Là, c'est un problème de qualité d'énergie électrique. Les condensateurs de puissance, parfois on peut remarquer que ces condensateurs-là, ils subissent des vieillissements rapides avec le temps, ou bien des échauffements supplémentaires. Et ils mettent toucher le capacité de cette rassure-là, c'est-à-dire ils se chauffent car il y a du perte dans le diélectrique. Ce courant de perte-là, il permet d'échauffer ces capacités-là.
Donc, même parfois des dégradations, c'est-à-dire vous pouvez remarquer qu'il y a claquement de condensateur. Donc, ce problème-là, il est dû au problème de qualité d'énergie électrique. Pour les compteurs d'énergie, vous avez toujours des erreurs de mesure. Donc, si vous remarquez qu'il y a des erreurs de mesure, c'est-à-dire que vous avez un problème de qualité. Car en fait, le compteur d'énergie électrique, lorsqu'il est fabriqué, il peut compter l'énergie électrique, mais pour des règlements et des normes de qualité qui sont bien fixées et bien définies. C'est-à-dire, il permet de compter l'énergie électrique pour un THD égal à telle valeur, pour un facteur de crête égal à telle valeur, et ainsi de suite. Si vous n'avez pas ces critères-là, c'est-à-dire les caractéristiques ou bien la fiabilité de votre compteur d'énergie n'est plus garantie, c'est-à-dire il faut revoir la qualité d'énergie de votre installation. Donc, comment ils se manifestent ces différentes بالنسبه للكونتور هذا الفينومين هذا كيولي الكونتور كيزيد عليك واقي الانرجي كتبان باللي كونسوميتي اكثر من داكشي اللي نورمالمون انت كونسوميتي يزيد عليك اي هذا باش تحس به، ما الا نقص عليك راه ما تحسش به، ما تحسش به الا زاد عليك، اما الا ما زادش عليك راه ما تحسش به، فتقول ما عنديش مشكل الكاليتي انا. واخا هذا الشيء اللي كاين بالضبط. Donc, comment ils se manifestent ces différentes perturbations? Donc, qu'il y a des effets instantanés ou qu'il y a des effets à long terme. Donc, les effets instantanés, dès que c'est arrivé avec le problème, c'est le disjoncteur déclenché, le relais de les condensateurs se claquent. Donc, c'est ce qu'on appelle des effets instantanés. Ou qu'il y a des effets à long terme, c'est-à-dire échauffement à long terme qui va diminuer la durée de vie de certains appareils, les machines, les transports, les câbles eux-mêmes, généralement ce qu'on appelle le vieillissement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les problèmes ou bien les effets dits à long terme. Les harmoniques de tension. Donc, ce qu'on appelle les harmoniques de courant. Mais est-ce que les tensions ont des harmoniques? Généralement, la tension elle est imposée par le producteur de l'énergie. Théoriquement, cette tension-là, elle doit avoir une forme parfaitement sinusoïdale, une fréquence parfaitement constante, une amplitude parfaitement constante, et ainsi de suite. Donc, est-ce que c'est vrai? La réalité, c'est non. Pourquoi? Car en fait, ceci est vrai si l'impédance de ligne de livraison d'énergie est égale à zéro, l'impédance de transformateur de distribution équivalente égale à zéro aussi. Dans ce cas-là, on peut dire que cette tension-là, il est parfait, il est sinusoïdal. Bien sûr, on suppose déjà que le réseau électrique, il donne la qualité d'énergie désirée, ce qui n'est pas toujours vrai. Donc, on va voir que les différents problèmes qui sont liés au réseau, et comment le producteur de ce service-là, ou bien le prestataire de ce service-là, comment il va garantir cette question de livraison d'énergie avec la qualité désirée. Donc, ceci, on va le voir par la suite. Mais d'où vient cette harmonique de six harmoniques de tension? Ceci, il est dû à ça. Donc là, vous avez votre, si je prends le schéma équivalent monophasé, votre source. Bien sûr, cette source-là a une impédance interne, que je vais l'appeler petit z. Là, vous avez votre charge, que ce soit linéaire ou non linéaire. Donc normalement, là, vous avez un courant, I. Ce courant I-là, bien sûr, c'est une somme de courants harmoniques et non harmoniques. La tension V dans ce cas-là, ou bien ce qu'on appelle là le UH, je vais l'appeler U carrément. Et là, vous avez la tension, je vais l'appeler E. Le E maintenant, c'est parfait. Je peux dire que c'est parfait, c'est sinusoïdal, c'est une tension qui ne contient pas d'harmonique. Mais le U. Est-ce que le U, il contient des harmoniques ou non? Puisque le courant I, il contient des harmoniques, là, vous avez une impédance équivalente Z. Dans ce cas-là, le U égale quoi? C'est tout simplement Z fois I. Donc, si le courant I, il contient des harmoniques, alors la tension U, il contient des harmoniques aussi. Il est qu'un hadaf et les harmoniques. C'est hadaf et les harmoniques. Donc, si je m'intéresse à déterminer, bien sûr, dans ce cas-là, le schéma équivalent pour chaque
هارمونيك سيتير بور لو فوندامونتال اللي عندي لو شيما ايكيفالون هو E, Z et grand Z اللي عندي لو كورون فوندامونتال سيتير سو شيما لا جو بو لو ديسباتشي اون بليزيور شيما عندي لك جهه اخرى سيتادير واللي عندي هنا لا سورس ديالي هنا هي E. هنا عندي لامبيدونس انترن زد هنا عندي لا شارج ديال كون زد وهذا سي لو شيما انستونتاني سي جو فو ايلابوري دي شيما بار لا سي اي اش سي اي سي اي سي اي دو تي اي لا سي يو دو تي سي جو فو ايلابوري دي شيما par harmonique, c'est-à-dire en fondamental pour le premier harmonique fondamental. Dans ce cas-là, le E, c'est E, et ne contient que le fondamental. Vous avez le Z, vous avez le grand Z, et vous avez là le, dans ce cas-là, c'est le fondamental, le I1 de T, je vais l'appeler le fondamental, et là, c'est le V1 de T. Pour l'harmonique, l'harmonique H quelconque. Dans ce cas-là, que vaut E? Donc le E ne contient que le fondamental. E ne contient que le fondamental. Donc pour l'harmonique H, H E égale à 0. C'est-à-dire, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous aurez là? Donc, tout simplement, vous avez la petite impédance équivalente. Et bien sûr, votre charge. Là, vous avez votre tension, que je vais l'appeler UH de T. Et là, c'est le courant IH de T. C'est naturel. Pourquoi? Car ce courant IH là, il n'est pas dû à la source, mais il est dû à la charge. Et le courant IH, je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Là, vous avez une impédance. Je vais l'appeler ZH. Là, vous avez petit Z. Okay. Et là, vous avez UH et IH. Donc, il est clair que dans ce cas-là, si je veux calculer le UH, donc c'est, si vous voulez, ZH fois IH, ou bien c'est aussi moins Z fois IH. Un petit Z, l'impédance équivalente de votre source fois IH. Donc, dans ce cas-là, le UH pour l'harmonique H égale ZH fois IH de T égale aussi moins Z fois IH de T. Donc, il est clair que même si, malgré que le E il est parfaitement sinusoïdal, l'hypothèse de départ, si, même si E est parfait, c'est-à-dire sinusoïdal, pas d'harmonique, on remarque que la tension U mesurée là, c'est une tension qui contient des harmoniques. Donc ces harmoniques-là, elles sont dues à quoi? Elles sont dues à l'existence de ce petit Z-là. Donc le moins Z fois IH, tout simplement, dans ce cas-là, égale cette tension harmonique. Donc pratiquement, qu'est-ce qu'on fait? Pratiquement, on commence tout d'abord par mesurer les harmoniques de tension. Donc, si on mesure, si on voit qu'il y a des harmoniques dans la tension, c'est-à-dire qu'il y a des harmoniques dans le courant. C'est-à-dire qu'on commence tout d'abord par mesurer les harmoniques dans la tension. Si ces harmoniques-là, elles respectent les normes en vigueur, on va voir par la suite c'est quoi les normes en vigueur, ça marche. Sinon, on va mesurer les différents départs pour mesurer les harmoniques de courant et voir quel est le départ qui est suspect de cette, hein, de cette différence-là. Voilà. Donc, voilà ce qu'on fait là. Donc, vous avez, par exemple, une petite installation dans laquelle vous avez de l'éclairage fluorescent, vous avez des moteurs avec un variateur, un moteur sans variateur, un chauffage, et ainsi de suite. Bon. Donc, on commence tout d'abord par approche déductive. Je commence là, par exemple. Je mesure là. On commence toujours par la mesure de ce qu'on appelle les harmoniques de la tension. Donc, ayant défini le taux d'harmonique de la tension, s'il respecte la norme, ça marche. S'il ne respecte pas la norme, dans ce cas-là, je vais dire, voilà, il y a un départ qui est suspect. Je vais commencer par
la mesure de la tension dans chaque départ. Je mesure là, l'harmonique de tension là, l'harmonique de tension là, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je trouve le départ qui est suspect. Une fois que je trouve le départ qui est suspect, dans ce cas-là, je mesure l'harmonique de le THD, c'est-à-dire je mesure les harmoniques de courant. Je mesure, par exemple, là, vous avez deux départs qui seront suspects, donc là, je le dis seulement pour vous dire que là, vous avez un éclairage qui est fluorescent et un moteur qui est alimenté par un variateur. Donc, je mesure là ce qu'on appelle les harmoniques de courant, ou bien le THD vis-à-vis le courant. Et voir quel est le plus, hein, qui a le plus grand effet sur cette THD de la tension, THD vis-à-vis la tension. Donc, celui qui a le plus grand effet, c'est lui que je dois corriger, que je dois filtrer. Et bien sûr, si je trouve qu'il y a un qui ne respecte pas la norme et l'autre, il le respecte, je dois corriger celui qui ne respecte pas la norme en vigueur. Donc, pour quantifier une installation électrique, toujours le taux d'harmonique en tension au secondaire du transformateur, évaluer si la pollution est présente ou non. La mesure du courant harmonique permet de déterminer quelle est la source perturbatrice. Voilà, c'est ce qu'on a dit là. Donc, c'est-à-dire toujours, j'évalue le THD de la tension au niveau de secondaire du transformateur. Si ça colle avec la norme, ça marche. Sinon, je vais revoir quel est le départ qui est suspect en mesurant le THD du courant. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à ce point-là? Oui. Est-ce qu'on évalue ces taux d'harmonique après la mise en service de l'installation ou bien on peut le faire avant? Est-ce qu'on mesure? عندك شوية صداع في الميكروفون ما تسمعش مزيان. Est-ce qu'on évalue ces taux d'harmonique après la mise en service de l'installation ou bien on peut le faire avant de la mise en service de l'installation? Là, le THD, il est mesuré régulièrement. Alors, qu'est-ce que l'installation fait? D'abord, on a mesure. Alors, je sais qu'on a besoin d'installation avec un champ de la mesure. L'installation, il est fonctionnel. Il est en cours de fonctionnement. J'évalue le THD. Ou qu'il y a des cas pour lesquels on installe carrément ces instruments de mesure sur le tableau de distribution. C'est-à-dire, sur le tableau de distribution, parfois, vous allez trouver ces appareillages de mesure de THD et de différents éléments de la qualité d'énergie électrique. Donc, c'est-à-dire, c'est une opération régulière que vous allez le faire toujours. Hein. OK? Donc, Hada, c'est un travail que vous allez le faire toujours. Hein. C'est clair? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions pour les autres? T'es chez Soël? T'es chez Soël? Hein? T'es chez Soël? J'ai dit. Oh, madame, t'es chez Soël? On avance un peu. Chef, c'est d'abord. Est-ce qu'on va. Donc, je préfère qu'on fera une petite pause. نديرو واحد لا بتيت بوز نتلاقاو ا 14h30 صافي D'accord. اوكي تري بيان